Bonjour à tous et bienvenue. C'est un grand plaisir de vous retrouver comme toujours. Le stade, vous le voyez, est quasiment plein. Même si le ciel est menaçant, l'ambiance, elle, est au beau fixe dans les tribunes. On est à quelques instants du coup d'envoi de cette rencontre que beaucoup attendent ici. J'espère que vous aussi, vous l'attendez. Les équipes ont fini leur échauffement. Elles vont bientôt sortir dans ce tunnel et le coup d'envoi va pouvoir être donné. Juste un qualificatif pour ce stade. Magnifique. Le Stade Rennais ne gagne plus, mais alors plus du tout. Oui, c'est un constat assez terrible. Hein. Je ne sais même plus à quand remonte le dernier succès. C'est long, trop long. Et la grogne commence à monter. Honnêtement, je ne sais pas quel est le problème. Mais entre les erreurs individuelles et le manque de réussite, bien, pour arrêter cette série, il va falloir du changement. Ça ne vous aura pas échappé, le match a bien débuté. On joue sur l'aile, il est servi. Allez, c'est dangereux! Et c'est dedans, but! Le match vient de débuter, mais lui, il est déjà bien présent. Et oui, tout repose sur la détermination, c'est ça les grands joueurs. Tout seul, face au but, c'est presque trop facile. Il a bien exploité l'espace devant le but et à partir de là, c'est très difficile de l'arrêter. But! Draxler, qui a inscrit son 6e but de la saison au championnat. Ce but en tout début de match devrait leur apporter de la confiance. Il est bien placé pour trouver la faille dans la défense. Le Paris Saint-Germain qui essaye de construire. Ça passera sur le côté. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Il relance côté droit. C'est bien fait ça. Ça peut partir en contre. Le Stade Rennais qui peut avancer. Allez. Le Paris Saint-Germain qui s'était imposé lors de la dernière confrontation entre les deux équipes et espère bien remporter une nouvelle victoire aujourd'hui. C'est bien donné. Allez jusqu'au bout. Bon, ça n'allait pas très vite et pourtant ça a failli aller au bout. Oui, il a donné trop de temps à la défense pour se regrouper et à la fin il a dû se précipiter. Quelle détente! Oh, pas de chance sur ce coup! On voit les attaquants très actifs. C'est vrai, bonne remarque, ça décroche souvent pour venir chercher la balle et participer au jeu. C'est une bonne idée parce qu'ils viennent se placer entre les lignes. Et du coup, les défenseurs doivent décider à chaque fois s'ils les suivent ou non, voyez? Quand vous nous expliquez le football, c'est tellement clair, là. Paredes! Bien servi! Il frappe! Et le cadre se dérobe largement. Paris Saint-Germain, qu'on sent bien en jambes aujourd'hui, ça tient bien le ballon et ça mène 1-0. Ce ballon dans l'axe. Et le ballon est sorti, touche. Le centre au second poteau. Oh, l'interception! Il réoriente le jeu vers l'arrière. Pas le choix avec cette défense. Il peut en profiter, ça peut faire mal. Il fait trembler les filets. Et c'est un but très très important. Il était surveillé de près, mais ça ne l'a pas empêché de marquer. Quelle puissance chez ce joueur. Pourtant, la défense a fait tout ce qu'elle a pu, mais il est inarrêtable. Yang, qui en est désormais à 3 buts dans ce championnat. Et ça repart du rond central, égalité parfaite. Tente sa chance. Oh, but. But pour le Paris Saint-Germain. Et ils prennent l'avantage. Oh, il était bien placé ce ballon, tout simplement imparable. En plus, je crois qu'il la frappe d'instinct, sans regarder les buts. Ils ont pris l'avantage, il faut continuer maintenant. Il glisse le ballon en profondeur. Il reçoit le ballon. Le centre est parti. La tête, attention. Bien repoussé par le gardien.
C'est un super arrêt. Fine save. Draxler. Yann Kermorgan. La passe dans la profondeur. Long ballon dans le sens du jeu. Oh, le petit ballon piqué. Le bon dégagement. Draxler. La passe est précise. Le Stade Rennais qui cherche l'étincelle. Ce ballon bien dosé. Ça doit faire but. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. C'est la pause, une pause bien méritée pour les deux équipes qui ont fait beaucoup d'efforts jusqu'ici. On a vu une première période très agréable avec 3 buts et un score qui ménage encore beaucoup de suspense. Eh bien écoutez, il faut être honnête, on ne se régale pas forcément à chaque match qu'on commente. Et là je dois dire que je ne me suis pas ennuyé. Et 3 buts dans cette première période, le score 2-1. On parle, mais le jeu a déjà repris. L'arbitre signale une faute. Le jeu repart vers la droite. Touche. Nkunku. Le Paris Saint-Germain qui s'est montré très prolifique lors de sa dernière sortie. Grosse efficacité. La frappe. Et l'arrêt magnifique. Incroyable comme il est allé la chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. C'est dégagé. Avec Ben Arfa. Tant qu'on le garde au but, il est inoffensif. C'était bien défendu, ça. Le Paris Saint-Germain qui peut avancer. Allez. Draxler. Oh, le bon ballon. On dirait qu'ils se méfient de la vitesse des attaquants adverses. Et c'est ce qui les empêcherait d'aller au pressing, à votre avis? Oui, parce qu'une petite passe en profondeur peut faire beaucoup de mal. Vous frappez, là! Oh, le but! Oh, maintenant, ça va être difficile de les reprendre. Il était tellement bien placé, forcément, ça va au fond. Il a filé au nez et à la barbe des défenseurs. Très finement joué. Bien, c'est reparti et il y a maintenant 2 buts d'écart. Oui, ils se sont donné un petit peu d'air. Ils pourraient bien décider de gérer la suite maintenant. On va signer Yang. Ça joue long vers l'avant. Va-t-il en profiter? En retrait pour repartir proprement. Il tente de la jouer dans l'espace. Qui est bien placé. Le bon dribble. Yang, il peut choisir de centrer. C'est vraiment passé tout près sur ce contre. Il tire. Oh, c'est un arrêt important, ça. Et ça, c'était pas facile à arrêter, croyez-moi. Le Stade Rennais qui cherche l'étincelle. Oh, ce jeu de passe, quel régal!
Il allonge vers l'avant. Draxler. Ça va sur l'aile. Allez, ça peut faire mal. Il est passé. Ah, l'arrivée ne pourra rien en faire de ce ballon. La bonne passe. Voilà une bonne occasion de contre. C'est joué long, attention. Kurzawa. C'est bien, la passe à 10, mais il faut essayer d'être plus dangereux. Oh, Draxler. Il joue dans l'espace pour trouver la faille dans la défense. Tacle parfait, l'arbitre laisse jouer. Il cherche son coéquipier. Dommage que cette passe soit interceptée, ça aurait pu être une occasion. Il y avait de l'idée là, mais le geste n'a pas suivi. C'est bien fait ça. Yann Kermorgan à droite. La passe dans la profondeur. Le gros dégagement. Il est servi. Oh, l'occasion. Il ne se pose pas de questions. C'est reparti, ils peuvent contrer. Cette attaque n'a pas pu se développer. Allez, ça doit faire but. C'est bien fait. C'est bien donné. C'est dégagé, loin devant. La passe est... Quelle occasion, attention. Nouveau but dans ce match. Ils comptent désormais 3 buts d'avance. Leurs adversaires sont KO debout là. Quelle intelligence dans la finition. Yann Kermorgan qui inscrit là son premier but de la saison. 3 buts d'avance, de quoi respirer un peu plus tranquillement. Le Paris Saint-Germain qui prouve une nouvelle fois sa capacité. Il prend sa chance. Oh, il était bien placé, quelle occasion ratée. Et c'est directement récupéré. Griezmann. Oh, Draxler. Di Maria. Il tente de la jouer. Énorme occasion. Le poteau. Ça, c'était une occasion. Elle est manquée. Myang qui se touche la jambe. Il a quand même l'air de souffrir, là. Son entraîneur a l'air un peu inquiet, là. Ce serait un coup dur s'il devait sortir. Il va reprendre le jeu, ça a l'air d'aller finalement. Le coup de sifflet, ce sera une faute. Paredes. Kurzawa. Yann Kermorgan. Draxler. Hé hé, il y avait de l'idée. Ça ne passe pas. Ils auront vraiment tout donné pour aller chercher cette victoire, mais ils se contentent du match nul aujourd'hui. Beaucoup de points positifs, bien sûr, à l'issue de cette rencontre, à l'issue d'une telle démonstration. Tout ce qu'on peut dire déjà, c'est que cette large victoire est totalement logique.